et commencez à élever la voix par l'esprit. Élevez la voix par l'esprit. Avec le feu que Dieu a déposé sur nos langues hier, un feu nouveau, un zèle nouveau. Désormais, nous prions par l'esprit avec ferveur, avec un feu nouveau. Nous ne sommes pas dépendants de ce qu'un instrument peut jouer. Mais il y a un feu qui sort de nous dès lors qu'il s'agit de prier. Inspire chaque parole de nos bouches, que tu sois libre au milieu de nous, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, nous reconnaissons que c'est toi qui as donné ce divin rendez-vous. Alors nous voulons utiliser ce feu que tu nous as donné pour faire monter les prières embrasées, faire monter les cris de nos cœurs, faire monter ces prières que tu agrées en priant par l'Esprit, les prières embrasées de feu, de ton feu. Oh, ma handele basse, candele la bache, handele, et candele à ma, un feu nouveau tu nous as donné, les candele à ma, candele aussi, handele, à qui de l'é. Osi candele maya candele abase ki ande la cité. O maya ki dele maya ki dele. Avec nos propres mots, avec nos propres mélodies, a candele si andele. Un chant nouveau par l'esprit, une mélodie par l'esprit, des prières de toutes sortes par l'esprit. E chi ama te brassa candele ma passia delle abbagliello. Nous avons soif de toi ce soir, Seigneur, de ta présence, de ton esprit. Un feu augmenté encore ce soir. E cade brosse cata la bacha. Le maya cade brosse caia machine le ba. O maya ki amaya kandele amakite, le ki amaya kandele nubusi kandele amaya kandele maya ki andele. O maya ki dele abasi andele amay, le ki abashi andele abaki dele abasi kandele amay, le ki abashi andele. Oh, my God.
Saint-Esprit, alors nous faisons monter d'excellentes actions de grâce. Oh, pour te dire, Père, viens siéger au milieu de nous. Viens prendre possession de ce moment. Que tu sois libre de te déployer au milieu de nous maintenant. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous voulons faire monter maintenant ces prières faites par l'Esprit, ces chants faits par l'Esprit. Oh, d'excellentes actions de grâce, en l'honneur de la merveilleuse présence de Jésus-Christ dans ce lieu. Nous acclamons la présence du roi des rois. Et qui a passé Kadele Amaya Kidele. Et qui a mandele Amaya Kidele Amasika. Et qui a rabamosé Kadele Maya Kadebrosé Kadele Roboche. Qui a tiré Maya, qui a tiré Maya, Kandelo. Jésus, et Maya qui a passé à tiré. Pour un homme, nous ne sommes pas rassemblés juste pour faire plaisir, non, nous sommes rassemblés en l'honneur de l'époux, rassemblés en l'honneur de celui qui n'a pas hésité à donner sa vie afin que nous soyons sauvés, qui n'a pas hésité à mourir sur la croix afin de nous racheter. Oui, c'est Jésus-Christ que nous sommes venus adorer, c'est Jésus-Christ et c'est sa merveilleuse présence que nous recherchons. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ta présence que nous désirons, c'est la présence du bien-aimé, c'est la présence de l'époux, c'est la présence de celui qui nous a tant aimés, c'est la présence de celui qui nous a donné un nom nouveau. Oh! C'est la présence de celui qui n'a pas hésité à venir prendre un corps mortel afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons embrasés par un feu nouveau, afin que nous soyons tel il est. Voilà pourquoi il nous a donné son droit d'aînesse. Oh, ce droit d'aînesse n'a pas été acheté. Non, il nous l'a donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la merveilleuse présence de notre Seigneur que nous désirons. La présence de Jésus, les bochecas, les. C'est le rendez-vous d'un amoureux ce soir. C'est le rendez-vous d'un passionné. C'est le rendez-vous de l'épouse avec l'époux. C'est le rendez-vous où nous voulons seulement voir la gloire de Dieu atterrir. Où nous te désirons plus que toute autre chose. Les kerebabos, les bochecas. Jésus. Si andele, a qui andele, ma qui.
Pablo Seca de Rebo Seca de Aqui Avec nos propres mots, à qui a mandé les bassinés, et qui a délé à ma qui délé, au candélé maïa qui a délé, avec nos propres mots, les baïa candélé bachia délé. Andele masakide, aki andele, oh, ere maya kile, pio,
nouveau pour désirer le voir plus haut. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, mais lorsqu'il est plus haut, alors nous sommes dans la dimension où il fait de nos ennemis notre marche-pied plus haut. Les bagos, c'est gâte la mabo, c'est gâte les bagos, c'est gâte les bagos, c'est gâte les bagos. Notre Dieu est le Dieu qui est élevé encore, 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 plus haut, plus haut. Les catarabos, les babosa. C'est le moment de commencer à dégainer l'épée de l'esprit. C'est le moment de prier toutes sortes de prières par l'esprit. C'est le moment d'envoyer ce feu maintenant. Oh, bouche, gardez les barons. Lorsque Dieu se lève, lorsqu'il est dans la dimension très haut, alors il juge les ennemis. Alors il juge les ennemis de son peuple. Il est le Dieu plus haut. C'est pas le moment de chanter, c'est le moment de prier, c'est le moment de sortir l'épée de l'esprit, c'est le moment de maintenant d'utiliser cette lampe de feu, de l'exercer encore. Pendant toute la journée, nous n'avons pas cessé de prier par l'esprit, nous n'avons pas cessé de faire monter les prières. Maintenant, c'est toute une armée qui se lève, c'est toute une armée qui se lève pour aller en guerre. Tous les autels qui parlaient contre l'Église, qui parlaient contre nos vies, soient renversés. Les hommes de tout temps ont voulu faire des monuments, les élever pour rivaliser avec Dieu. Lorsque les hommes se sont réunis pour dire, construisons-nous une tour et qu'elle touche le ciel, ils voulaient rivaliser avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu. Il a envoyé la confusion, il a confondu leur langage. Écartez les robots, écartez les mamos. Il a confondu leur langage parce qu'il est le Dieu plus haut. Il ne peut y avoir aucun monument élevé au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun hôtel. Il n'y a pas de montagne plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand, personne n'est plus fort, personne n'est plus élevé, personne n'est plus puissant, personne n'est plus beau, personne n'est plus excellent que notre Dieu. Voilà pourquoi tout monument, tout hôtel qui s'élevait avec orgueil contre notre Dieu, aujourd'hui, nous les renversons parce que notre Dieu est le Dieu qui est plus haut. Écraser la tête de nos ennemis avec ce feu nouveau. Mais cadere le boche catababosa. Écadere le boche catere. Catababosa, cadere le boche catere. Écadababosa, cadere le boche. Plus haut. Les cartes et les babos, c'est
Pour qu'il soit élevé plus haut, plus haut, plus haut. Lorsque nous demandons plus haut, notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Mais sur la terre, il doit être élevé encore plus haut dans nos cœurs, dans l'église, dans la société. Parce que lorsque nous réclamons, lorsque nous proclamons, nous déclarons que notre Dieu est plus haut, il y a des choses dont on n'a même pas conscience. Il y a des autels qui existent que l'on ne connaît même pas. Mais lorsque notre Dieu en nous est plus haut, alors partout où nous allons, parce que notre Dieu est plus haut, alors ces autels sont écrasés. Ils ne peuvent pas résister. Parce que la dimension de Dieu qui est en nous est la dimension du Dieu plus haut. Ce n'est pas eu seulement le consolateur, mais c'est la dimension de la puissance, de l'hyper méga puissance explosive de Dieu dans un être humain. Le Saint-Esprit, la présence de notre Dieu, le Dieu plus haut dans un être humain. Voilà pourquoi nous demandons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et pas la carte de l'homme à sa carte de gauche. Parce que la vérité est que nous sommes appelés à nous battre, à être des combattants, des guerriers spirituels. Et il faut que notre Dieu soit plus haut, plus haut. Le secret d'un Dieu plus haut, c'est cultiver la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit entretenez-vous, entretenez-vous, entretenez la présence de Dieu en vous. Que ce soit un feu qui grandisse. Notre Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. Et tel il est, tel nous sommes. Lorsqu'il nous donne son feu, c'est pour que ce feu grandisse, qu'il soit encore plus intense, plus fort, plus puissant. Et candere robo che candere, le candere maya candere ba se candere mus. Et candere bo se candera ba bo se candere maya candele. Alors notre désir en disant Seigneur, nous t'élevons plus haut, c'est que ta présence manifeste soit au milieu de nous. Dans ta présence, il y a la puissance. Dans ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans ta présence. Et quand il est robot, c'est quand il est mal. Et quand il est robot, c'est quand il est mal. Ok, quand il est robot, c'est quand il est mal. C'est quand il est mal. Aïe, quand il est robot, c'est quand il est mal. Et quand il est robot, dans ta présence. Allez dans le lieu saint, le lieu très saint. Là où le sang de Jésus nous a
purifié pour être dans la présence de Dieu. En ta présence, les qui ont des bœufs, les robots, les candés, les robots, les candés, les candés, les candés, les candés, les candés, les robots, les candés, les candés, les candés, les candés, les encore plus de toi, Seigneur, ce soir. Encore plus de ta présence. Et qui a de l'os et a de l'os. A candé de l'os et candé de l'amour. A qui a de l'amour et a candé. Désirons te voir plus haut. A qui de l'amour, a qui de l'amour. Plus signifie s'abandonner, le laisser consumer le sacrifice. Un sacrifice vivant, se laisser consumer par ce feu, pour que ce soit un sacrifice d'une odeur agréable. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous désirons encore plus de ton feu. Encore plus de ton feu. Encore plus de ton feu. Et d'intérêt. Nous n'avons pas fini de donner des coups. Nous n'avons pas fini de donner des uppercuts. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Nous voulons que cela ait encore plus embrasé. Encore plus embrasé. Encore plus embrasé. Il y a encore de nombreux ennemis. Il y a encore de nombreuses batailles. Mais pour cela, nous ne voulons pas nous relâcher. Pour cela, nous voulons encore plus de feu. Oh, ne vous enivrez pas de vin, mais soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous voulons encore plus de feu. Encore plus de toi, Seigneur. Augmente encore la dose de feu. Augmente encore la dose de feu aujourd'hui. Augmente encore le feu. Augmente encore le feu. Hey, gardez les robots, gardez les barbos, gardez les maillots, gardez les. Hey, gardez les barbos. Hey, 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 barbos, gardez les robots, gardez les robots, gardez les barbos. Les gardez les barbos, gardez les robots. Nous n'allons pas nous relâcher. Nous voulons te rencontrer encore plus, encore plus, encore plus de toi, plus de ta présence, plus de ton feu, plus de ton amour, plus de ton onction, plus de toi en ce lieu. Des prières embrasées de feu maintenant, des prières embrasées de feu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut cette foi pour connecter et être embrasé, être irradié par la présence de Dieu. Oh, parce qu'il est le rémunérateur de
de ceux qui le cherchent. Autrement dit, il donne de son feu, il donne de son onction, il donne de sa présence, il donne les dons, il donne lorsque l'on le cherche et que l'on s'approche de lui par la foi.
Lorsque le Seigneur dit oui je, il inspire de chanter oui je. C'est pour qu'en tant qu'église nous puissions demander, mais aussi en tant que personne, individu, oui je te désire, oui j'ai soif de toi, oui je m'attends à toi. C'est ce moment d'intercession, ce moment de cœur à cœur avec le Père pour demander plus encore, plus de sa présence, plus de son feu, d'être embrasé en sa présence. Catere le bouche, catere. Envahis ce lieu. Et catere le bouche, catere. Et catere le bouche, catere. C'est lui qui exerce nos mains au combat. Catere le bouche, catere le bouche, catere. Et catalama de bouche, catere. Il se manifeste là où il y a la soif, soif de sa présence, soif de sa personne. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il est là, où que nous soyons, à celui qui s'attend, à celui qui s'attend, le Seigneur se révèle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cantere babrosse, cantere boche, caramandere rosa. Cantere babrosse, cantere babos. Il vient embraser encore et encore celui qui s'attend à lui. Non pas celui qui est venu pour un spectacle, pour regarder ce qui se passe, mais celui qui est dans une attitude de soif, de prière, qui est heureux pour hier, mais qui s'attend à plus encore aujourd'hui, qui s'attend à une plus grande dimension encore. Et katere babo sekande, la présence, le katere robo sekandere basa kandere, a kandere robo sekandere robo sekandere, o kandere mara kandere robo. Candela mande brusse candela, oh basta candela rousse. La présence, encore plus de toi Seigneur. Nous voulons encore plus de toi, nous désirons encore plus de toi, encore plus de toi, encore plus de ta présence, encore plus de ton feu, encore plus de ton feu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de plus de toi. Et cadere babo, se cadere le boche, cadere basa, cadere la babo, se cadere la babo, se. Et cadere la babo, se. Et qui cadere babo, se cadere babo, se. Et cadere babo, se cadere babo, se. Il est sur le point de visiter celui qui s'attend à lui. Encore plus haut, dans une autre dimension. Oh, encore plus, plus de toi maintenant, plus de ta présence en Seigneur, nous voulons plus, augmente, 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 je veux plus, je veux. Et sur le point de se manifester encore plus, encore plus, encore plus maintenant, face à garder les robots, mais garder les babos, c'est garder les babos, c'est garder les malades. Plus, plus, les garder les babos, c'est garder les babos, c'est garder les garder les babos. Encore plus maintenant. Décadez-les.
qui a des capacités. La présence de Dieu est en ce lieu maintenant. Il augmente sa présence. Je veux plus de toi. Oh,
Je sais que le mariage est important, mais je réclame le nécessaire. Je sais que le travail est important, mais je réclame le nécessaire. Le nécessaire, c'est Christ. Le nécessaire, c'est toi, c'est ton feu, c'est toi. Parle, élève la voix. Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas comment j'articule, mais je te prie, mon désir. Il est avalé, il est avalé, ça, élève la voix, il est là. Father, we tonight, Lord, tonight, nous reconnaissons que nous avons plusieurs besoins, c'est vrai. Certains, c'est la guérison. D'autres, c'est la délivrance, la libération, une percée, une visitation, un soulagement. Mais ce soir, nous allons focaliser notre attention. Nous allons faire ce soir comme Obed-Edom. Obed-Edom n'a pas beaucoup prié. Il a juste accueilli l'arche de Dieu dans sa maison. Et quand l'arche est venue dans la maison, l'arche est venue avec puissance. L'arche est venue avec splendeur. L'arche est venue avec beauté. L'arche est venue avec gloire. Lorsque l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la manifeste présence de Dieu, est arrivée, en réalité tout le reste est arrivé. Ce soir, nous n'aurons pas demandé une guérison, une libération, même si tu sais que c'est un besoin. Ce soir, nous allons zoomer uniquement sur le plus grand besoin de ma vie. Je ne sais pas comment l'exprimer, comment le formuler. Mais Père, ce soir, je veux te dire que mon premier désir, c'est toi. Il y a trop de situations dans ma vie. Si tu viens pour guérir, le problème c'est qu'en dehors de la guérison, il y a des blocages dans d'autres domaines. Alors je ne te demande pas la guérison ce soir. Je te demande, comme tu es arrivé dans la maison d'Obed-Edom, que tu arrives dans ma vie. Il y en a assez, pas pour faire une chose. Viens seulement t'installer, viens seulement t'asseoir, viens seulement te positionner, viens seulement régner, viens seulement commander, viens seulement gouverner, viens seulement remplir, viens seulement saturer, viens seulement inonder mon désir. Ce soir tu es, oh viens seulement, c'est toi, viens, ne viens pas pour guérir, viens seulement, ne viens pas pour me libérer d'un démon, viens seulement, viens seulement, oh viens, viens seulement.
Tatalosa, Mere Tatalama, Lere Baba. Viens, viens, viens seulement. Viens seulement, et toi tu dis viens. Viens seulement, je te prie. Viens seulement, toi tu dis je te prie. Viens, viens seulement, vous dites viens. Viens seulement, viens seulement, viens ce soir, viens ce soir, viens ce soir, viens m'habiter, viens commander, viens gouverner. Construire, viens me déployer, viens résider, viens assujettir ce qui n'est pas de toi, comme chez Obédino, comme dans la prison où était Paul et Silas, viens seulement, viens maintenant, viens réalité. Viens résider, viens ce soir, viens seulement, viens, viens, ah, ah, viens, viens, avec le bruit comme à la Pentecôte, ne viens pas en silence, viens avec un fracas, viens de manière remarquée, viens de manière majestueuse. Viens seulement, qu'on sache que tu es venu dans ma vie, que ma famille constate que tu es venu, que les maladies constatent que tu es venu, que la sorcellerie constate que tu es venu, que les esprits de rejet constatent que tu es venu, que les esprits d'échec constatent que tu es venu, que les esprits d'infirmité constatent que tu es venu. Viens seulement. Oh, je te prie, je ne sais plus prier, je ne sais pas comment dire les choses, mais viens seulement dans mon foyer, dans ma santé, viens seulement. Viens seulement toi-même, viens seulement. Ah, viens seulement. Là on a dit qu'il y avait la mort. Je ne demande même pas la guérison, non. J'ai dit viens seulement, esprit de vie. Ah, rien n'est pas ça. Là on avait dit que ma vie était bloquée. Viens seulement. Viens seulement. Venez vos rangs. Viens seulement, viens seulement. Tu ne peux pas venir et être en silence. Tu ne peux pas venir et ne pas juger. Tu ne peux pas venir et ne pas libérer la parole. Tu ne peux pas venir et ne pas ouvrir les portes. Tu ne peux pas venir et ne pas guérir. Mais viens seulement. Viens seulement dans ma vie. Ah. Je n'ai pas un autre sujet de prière ce soir. Non, non, non. Mais
Et je vais te dire une vérité qu'il est en train de me dire. Il me dit, premièrement, je suis saint. Deuxièmement, je suis un Dieu d'ordre. Je ne peux pas arriver quelque part. Quand tu m'invites, tu me provoques. Je ne peux pas venir, je vois le désordre et je croise les passés, impossible. Tu ne peux pas demander à un policier d'aller quelque part, de voir des bandits et puis monsieur le policier ne dit rien. L'instinct policier, la nature policière va toujours prendre le dessus. Je suis saint, tu ne peux pas me demander. Là où je vois la souillure, je vais la consumer. Là, quand je viens, là où je vois la tiédeur, je vais l'embraser. Il me dit, même si tu me dis de ne rien faire, là où je vois la soif, je vais remplir le vase. Je ne peux pas venir dans la prison. Je ne peux pas venir là où est Paul et Silas et laisser les portes des prisons fermées. Si je viens, quand je viens, ma rétribution vient avec moi. Ma parole vient avec moi. Mes jugements viennent avec moi. Mes sentences viennent avec moi. Mes décrets viennent avec moi. Les ordres viennent avec moi. Oh, viens, viens. Oh, viens, viens. Viens, viens. Je demande que tu viennes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma vie que tu l'as enlevé. Mais je ne me focalise pas sur mes besoins ce soir. Viens seulement commander, viens seulement régner, viens prendre le pouvoir, viens gouverner ma vie. Viens, viens, oh viens, viens, ah, ah, viens, viens, ah, viens, ah, viens, viens, ah, oh viens, viens seulement, ce que tu n'as pas planté. Je sais que tu vas le déraciner. Viens seulement que l'on soit retombé. Viens prendre le pouvoir de ma vie. Je ne suis pas sur le besoin, non. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Ma confiance est en toi. Je m'attends à toi. Viens t'asseoir. Viens prendre le pouvoir. Viens comparer. Viens régner. Viens gouverner. Viens diriger ma vie. Viens marcher devant moi, viens m'environner, oh viens m'entourer, viens saisir mon âme, et cette main de la culpabilité, de la dépression, du rejet, enlève-la. Sois le seul à mettre ta main sur ma vie, le seul à influencer mon âme, que la main de la publicité soit ôtée. La main de la masturbation ôtée. La main de la peur ôtée. La main de l'esprit de sorcellerie ôtée. Viens mettre ta main. Maintenant. Viens mettre ta main. Oh viens, viens. Élève, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour toi, mais ton voisin et moi, on a envie de lever la voix. On a envie de lever la voix, dire Seigneur, moi ce soir je n'ai pas de demande, je n'ai pas de prière. Ma seule prière c'est viens. Est-ce que quelqu'un a envie de lever la voix, de parler comme, parle comme j'ai envie de parler. Mais il faut que ça se résume. Viens seulement toi-même, viens seulement.
Je n'ai pas idée de ce qu'il y a. Je n'ai pas idée de l'état des lieux. Je n'ai pas idée de... Je n'ai pas de diagnostic du niveau de dommage, du niveau de dégâts. Mais viens seulement, assieds-toi. Même si tu ne fais rien, assieds-toi. Mais je sais que tu ne feras pas rien. Je sais que tu as compassion. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que tu es juste. Je sais que tu entends. Je sais que tu réponds. Mais viens seulement, viens, viens. Elle est... Élève la voix et dis viens, élève, 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 élève. Ah, 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 élève, 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 Thank you.
sang. Oh, je te prie, viens, ah, viens. Prends seulement le pouvoir. Aïe, 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 saisis mon âme. Saisis mon âme. Embrasse mon âme. Consume mon cœur. Viens t'installer. Viens résider. Tu es invité. J'ai fait le ménage pour te recevoir. Je renonce au péché. Je renonce à mal parler. Je renonce au péché volontaire. Et là où il y a un péché qui me tenait, ça veut dire qu'il y a un démon qui tenait. Je renonce à ce démon. Je ne sais pas comment le chasser. Je l'ai chassé, il ne partait pas. Mais je change de prière. Comme un bénino qu'on porte dans la prison. Peut-être qu'avant, peut-être que Paul et Silas disaient, peut-être qu'ils disaient au chef de la prison, mais laisse-nous sortir de prison, allons. Laisse-nous sortir, laisse-nous sortir. Nous sommes innocents, nous n'avons rien fait. Laisse-nous sortir. Et peut-être que le chef de la prison disait, vous ne sortirez pas, vous n'avez pas le droit de sortir, vous ne sortez pas d'ici. Peut-être qu'au début, il a demandé quand même la clémence. Je dois annoncer l'évangile, ne m'enfermez pas en prison. Et peut-être qu'ils ont dit, non, tu ne sors pas de prison. Souvenez de cette parole. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Il me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Voici le sommet du don. Celui qui garde Israël. Alors ils ont cessé de demander au chef de la prison d'ouvrir. Ils ont dit à Dieu, viens seulement. Le chef de la prison a dit, tu ne sors pas. Le Seigneur, viens seulement. Dans cette prison. Dans cette prison. Seigneur, viens seulement. Dans ce vase de terre. Que je représente, viens de ma vie. Ils ne veulent pas me laisser aller. Ils ne veulent pas céder. Mais comme au bénino, Seigneur, je t'invite. Seigneur, je t'implore. Ils ne veulent pas lâcher. Et Seigneur, viens seulement. Avec un bruit et fracas. Comme un feu dévorant. Assieds-toi dans ta vie. Viens prendre le pouvoir. Viens commander. Seigneur, viens gouverner.
Apocalypse. Les plus grandes délivrances n'ont jamais eu lieu lorsque le peuple s'acharnait contre ses ennemis. Les plus grandes délivrances ont eu lieu lorsque le peuple s'acharnait pour implorer Dieu de venir dans le combat, de s'immiscer dans la situation. Ils avaient compris depuis l'Ancien Testament que ce n'est pas le cheval qui assure la délivrance, ni le nombre de soldats qui garantit la victoire au combat. Voilà pourquoi chaque fois qu'ils allaient au combat, ils allaient implorer l'arche de Dieu. Ils disaient, les Philistins veulent nous attaquer, on doit aller combattre les Philistins. Mais est-ce que tu peux venir d'abord? Tant que l'arche ne sortait pas, Israël ne sortait pas. Tant que l'arche n'allait pas, Israël n'allait pas. Dans le désert avec Moïse, tant que le Seigneur ne se levait pas au-dessus de la tente d'assignation, la nuit c'était un feu dévorant, la journée c'était une colonne de nuée. Tant que Israël ne voyait pas la colonne se lever, la Bible dit que dans le camp, personne ne partait. Qu'il fasse 40 degrés, personne ne bougeait. Les ennemis les menacent, personne ne bougeait. Tant que l'arche, tant que la présence, tant que la gloire ne se levait pas, personne ne bougeait. Et ils avaient compris un secret. Que la clé de la victoire, ce n'est pas combien de fois tu répètes et tu proclames et tu proclames. La clé de la victoire, c'est tout nettoyer. Mets de l'ordre dans ta vie et tu lui viens seulement. Mets de l'ordre dans ton âme. Renonce, demande pardon. Honore, humilie-toi, décide d'obéir et d'une vie seulement. Je fais la place, je nettoie afin que toi tu viennes. Viens seulement. Viens seulement. Parce que tant que tu n'es pas venu, je vais combattre avec mes efforts. Ce seront les paroles de mon âme. Ce seront les âmes de la chair. Ce sera les discussions et les querelles, les argumentations et les débats. Ce sera la force de persuasion humaine. Je te prie, ce soir, viens seulement. Ce soir, nous ne te demandons pas, nous ne te demandons rien d'autre. Ce soir, viens seulement. Prends le commandement de ces phases de terre, de cette maison spirituelle. Viens seulement. Ne viens pas occuper une petite chaise, non. Ne viens pas prendre une petite place, non. Viens au commandement. Nous sommes les sacrifices vivants. Viens seulement. Viens, oh viens, oh viens, nous te prions, viens, oh viens, dans mon foyer, oh dans ma vie, assieds-toi dans mon âme, assieds-toi dans mon corps. Assieds-toi dans mon travail et dans mon ministère. Là où il n'y avait pas beaucoup de fruits, là où l'ennemi s'acharnait. Oh, c'est toi que nous implorons. Oh, magnifique Esprit de Dieu, cher Esprit de Jésus. Oh, bien seulement. Nous levons les mains et nous disons, viens, 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 ah, viens, 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 oh, viens, viens, oh, viens, viens prendre le pouvoir, viens prendre le pouvoir. Yeah.
viens pas seulement pour guérir, non. Ne viens pas seulement pour sauver, non. Viens prendre le pouvoir. Viens prendre le commandement. Viens prendre toute la place. Viens occuper tout l'espace. Viens prendre le commande de ton église. Viens prendre le commandement de ses vies. Viens prendre le commandement de ses familles. Cette semaine, viens, viens, crame, crame, prends le pouvoir, prends le pouvoir. Ce soir, nous te livrons nos cœurs, prends le pouvoir. Ne viens pas seulement faire le bien. Non. Viens prendre le pouvoir. Parce que s'il fait le bien mais qu'il ne prend pas le pouvoir, le mal se lèvera demain. Et un autre mal se lèvera. Mais s'il prend le pouvoir, alors il domine. Alors il assujettit. Alors il mate la rébellion. Alors il oblige l'ennemi, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Non, ne viens pas seulement me faire le bien. Non, non, non. Ne viens pas seulement me faire du bien. Viens prendre le pouvoir. Viens asseoir ta volonté au ciel comme sur la terre. Selon le modèle céleste, ce qui est fait au ciel soit fait dans ma vie. Ce qui est fait au ciel soit fait dans l'église. Selon le même modèle. Viens asseoir le modèle céleste. Viens asseoir la vision céleste. Viens asseoir la parole céleste. Viens, viens. Ah, yada mamara. Rose, parade, kaba. L'écho, satané, mamara, bossé. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Ça veut dire que ce soir, nous te livrons nos cœurs. Assieds-toi et l'emprise totale. Toi seul et personne. Sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps, sur notre vie, sur notre témoignage, sur tout ce qui est nôtre, qui nous caractérise. Pas pour tout le monde. Je sais que nous sommes une poignée au moins ici, au moins deux ou trois, à penser ces paroles et à dire, Père, viens. Comme tu l'as fait sur Obed-Edom. Comme tu l'as fait dans la prison où était Paul et Silas. Ce qui te donne le pouvoir, viens le prendre. Et viens accomplir ta politique. Manifester ton programme.
manifester ce que tu as annoncé d'avance. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite dans l'église. Qu'elle soit faite sur la France. Qu'elle soit faite sur la terre. Selon le modèle céleste. Pas selon les prophéties négatives des parents ou des professeurs ou des hommes et des femmes. Mais viens faire selon le modèle d'en haut. Afin que nos vies soient le reflet de la vie que tu avais prévue pour nous avant la fondation du monde. Viens, nous te prions. Nous te recevons. Et nous croyons qu'alors que nous t'avons invité avec des cœurs sincères, nous croyons que tu as répondu et que tu t'es installé. Et si tu étais déjà présent, tu as pris encore davantage d'espace. Parce qu'il y a toujours un espace davantage, un espace supplémentaire à occuper dans mes pensées, dans mon âme, dans mes sentiments, mes émotions, mes fréquentations, mes relations, mes associations, mes décisions. Viens occuper l'espace et impose ton commandement. Alors, en sortant d'ici, tu pourras dire à tes ennemis que Dieu, par son esprit, a pris le commandement des affaires. Et quand Dieu s'est mis dans les affaires des hommes, ça va barder, ça va chauffer. Ah, barder et pas ça. Et bon, ça va barder et pas ça. Et les pas barder et pas ça. Voilà. Dans la Bible, lorsque Israël est allé combattre les Philistins, il n'avait pas l'arche de Dieu. Et lorsque les Philistins ont appris que l'arche de Dieu était dans la place, les Philistins ont commencé à dire, oh non, le combat n'est plus juste, le combat n'est plus équitable, parce que Dieu était rentré dans la partie. Et tu sais, attends. Et lorsque Dieu entrait dans la partie, tu sais ce qui se passait? Lorsque l'arche arrivait, Israël commençait déjà à acclamer. Et les ennemis, attends. Je vais t'expliquer. Les ennemis ne comprenaient pas. Parce que eux aussi ils avaient des idoles, eux aussi ils avaient des statues, eux aussi ils avaient des bouts de bois. Et ils voient des lévites, des sacrificateurs transporter juste sur leur épaule une espèce de bois avec quelque chose à l'intérieur. Ils disaient, mais ça c'est quoi? Ce n'est rien du tout, ça ne veut rien dire. Tandis que Israël disait, hurrah, hurrah, hurrah. Ils ne savaient pas, ce n'était qu'une question de temps. 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 Lorsqu'il était dans la place, le premier réflexe du peuple, c'était d'abord l'acclamation. Ça voulait dire qu'il célébrait la victoire avant la manifestation de la victoire. Y a-t-il une personne qui a envie d'acclamer?
Ce que je ne savais pas avant le week-end dernier, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait quand on acclamait. Je savais qu'il y avait des anges. Je savais qu'il y avait le feu. Attends. Je savais tout ça. Mais soudainement, je me souviens que ce que nous venons de faire, c'est une prière. Et avec une telle ferveur, avec une telle cri. Attends. Le cri même que tu viens de faire, c'est une prière aussi. Attends. Mais ce que je n'avais pas compris avant ce week-end, c'est qu'à travers ce genre d'atmosphère, non seulement il y a un feu, non seulement il y a une forte présence, mais je ne voyais pas le nombre d'hypercutes et de crochets qui allaient dans la tête. Tu n'as aucune idée du nombre d'esprits méchants qui ont dit non hier, qui cette semaine, dans ces 5 jours, vont s'écarter, passer. Au milieu de nous, ça c'était déjà acquis, mais
nous accueillons ta prise de pouvoir. Le commandement du Saint-Esprit sur ta vie, sur l'Église, sur le pays, sur la région. Merci. Merci. Nous avons célébré. Nous t'avons reconnu. Nous t'avons accueilli. Maintenant, nous savons que ça va chauffer. Cette semaine, nous ne nous posons plus de questions d'angoisse, d'inquiétude, parce que l'heure de la victoire manifeste a sonné. Conduis-nous jour après jour, accomplis tes desseins. Selon le modèle, nous ne voulons pas une volonté humaine. Que ce qui va se passer soit la parfaite réplique de la beauté, de la splendeur, de la gloire dans le ciel, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Aucune parole libérée ne puisse être hôtel ne restera sans effet. Quand nous rentrons à la maison, le Seigneur continue de travailler et il a pris le pouvoir. Ce combat n'est plus à toi. Ce combat appartient au Seigneur lui-même. Father, we pray. Accompagne-nous dans nos demeures. Garde-nous un esprit de prière sans relâche. Prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir portés, transportés, conduits, inspirés, propulsés. Merci. Tu sais que nous ne savons rien faire. Nous ne savons pas comment prier. Mais gloire te soit rendue, Père, de ce que ton Esprit Saint nous assiste et nous accompagne. Et nous fait prier par des soupirs inexprimables. À personne d'autre dès lors qu'à toi. Sois notre louange, notre gratitude, honneur, louange, gloire, sagesse, force, action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 In Jesus' name. Amen. Excellente soirée à chacun d'entre nous. Aidez-nous à accompagner les bien-aimés, les frères et les sœurs à la gare. On se retrouve demain. Restons dans une attitude de prière. Et sois conscient, soyons confiants dans ce que quelque chose va se passer. Déjà cette semaine, cette saison, cette année ne peut pas être une année de confusion. Essuie tes larmes, tu ne pleurniches plus, tu ne t'apitoies plus. Dieu ne relâche pas. C'est maintenant, c'est cette saison. Tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Excellente semaine, excellente soirée, cette bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen.